Se voir maintenant. Alors, elles sont jeunes, elles sont jolies, elles ont beaucoup de talent. Et puis surtout, messieurs, elles cherchent un homme. Mais attention, pas n'importe quel homme. Tout le monde ne peut pas être candidat. Elles cherchent un millionnaire. Je cherche un millionnaire. Ça vous dit quelque chose? C'était Miss Tinguette dans les années 30. Et ce soir, c'est Claire Kem et Nolwenn Leroy. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Mais un très chic garçon vient près de moi sans façon. Il me baise la main. Écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par quatre chemins. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien moi, au moins une fois par mois. Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai est à toi. Je suis ce millionnaire, vous avez tout du gigolo. Oui mais j'ai gagné le gros lot. Alors cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez. Vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous plus près, encore plus près, là. Regardez-moi bien dans les yeux. Maintenant, embrassez-moi plus fort, encore plus fort. Là, un baiser à la cannibale. Ce gentil millionnaire qui peuvent nous contenter. Avec ce millionnaire, on est sûr qu'on ne doit pas s'embêter. Kem et Nolwenn Leroy, merci pour cette jolie interprétation de Miss Tinguette. Vous connaissiez cette chanson ou vous l'avez découverte en préparant l'émission? Honnêtement, je connaissais certaines chansons, mais pas celle-ci. Genre, j'ai de belles gambettes. Ben exactement, ouais. Voilà. Toi aussi, Nolwenn, c'est pareil? Moi aussi, pareil, je l'ai découvert grâce à l'émission. C'est une chanson de 1937, mais alors le truc le plus dingue quand même, c'est que Miss Tinguette, qui était donc une star du musical des années 20-30, était aussi espionne pour les services secrets, pour les renseignements français, pendant la guerre et pendant la Première Guerre mondiale. En fait, elle était très amoureuse de Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier avait été fait prisonnier. Et pour le libérer, elle a réussi à se faire engager dans les services secrets. Elle a réussi à obtenir des renseignements. Elle a rendu des services importants à la France. Et après la guerre, quand elle a raconté cette histoire, personne ne voulait la croire. Et finalement, il y a eu des témoignages dans les archives qui montrent qu'elle disait vrai et que Miss Tinguette avait vraiment rendu des services à la nation. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, les filles? On l'aime encore plus.